Je témoigne pour donner honneur et gloire au Seigneur que antérieurement, je me réunissais dans des autres églises, dans des autres dénominations, dans lesquelles je souffrais pendant beaucoup des années, je souffrais de la dépression, dont je ne voulais pas vivre, je ne voulais pas la vie, rien ne me rendait heureuse. Les personnes m'invitaient à l'église, mais je ne savais pas si je devais y aller ou non par peur de manquer à l'endroit où j'allais. C'est de cette façon que, dans cet endroit, je lui demandais au Seigneur qu'il me montre où est-ce qu'il allait me bénir, où est-ce que j'allais me libérer, où est-ce que je devais me réunir. Et de cette façon, j'avais accepté d'aller à l'église du Seigneur, dans laquelle le Seigneur m'avait répondu à cette prière. Il me disait ici, ma fille, je vais te bénir, je vais te libérer, je vais changer ta vie en un clin d'œil. Et de cette façon, je commençais à venir, j'ai cru au Seigneur, puisqu'il avait répondu à ma prière que j'avais faite dans mon cœur. Et dans une louange, le Seigneur m'avait libérée. À partir de ce moment-là, ma vie avait changé. Je suis très heureuse, je suis très fortunée d'appartenir à l'église du Dieu ministériel. Aussi, je souffrais aussi de beaucoup de maladies de ma colonne. Je souffrais aussi de douleurs de tête. Et de cette façon qu'à travers les études bibliques, le Seigneur me faisait la promesse qu'il allait me libérer à travers sa fille bien-aimée. Et j'ai vu sa promesse accomplie. Maintenant, je me sens très fortunée d'appartenir à l'église du Seigneur. Et tout, je le témoigne pour donner honneur et gloire au Seigneur. Bonjour frères et sœurs, je veux témoigner pour glorifier le nom de mon Père Céleste par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui qui a porté sur le fait de donner la dîme. Quand j'étais en Colombie, avant d'arriver dans ce pays, je n'accordais pas d'importance à la dîme. J'avais toujours des problèmes économiques et je sentais que mon argent était dépensé trop rapidement. Lorsque je suis arrivé ici, le Seigneur m'a donné un travail et je gagnais même pas le salaire minimum, mais le Seigneur... J'ai commencé à donner la dîme et le Seigneur m'a dit que j'allais avoir de l'argent pour toutes choses, pour le loyer, pour envoyer de l'argent à ma famille en Colombie, pour faire les courses et même pour économiser. Il y a quelques mois, le Seigneur m'a offert 300 euros. Continuellement, lorsque j'allais à l'église, je trouvais des billets de 5 euros et de 10 euros, toujours au même endroit et pliés de la même manière chaque jour. Tout cela, je le témoigne pour donner la gloire et l'honneur à mon Père Céleste. Béni soit le Seigneur.